Vous inquiétez pas, je mets tout le temps l'ambiance. Vous pouvez me retrouver au 8 rue. C'est mon adresse. Salut. J'ai peur des gros insectes. Par exemple, les cousins, tout ça là. Il y a 2 semaines là, je suis rentré chez moi et mais j'étais fatigué mais de fou. Je rentre dans ma chambre, je vois un cousin. Je vais pas dormir dans ma chambre, c'est mort. J'ai laissé ma chambre, je l'ai regardé, j'ai fait genre je l'ai pas vu. J'ai fermé la porte, je suis allé au salon, j'ai dormi au salon. Sur les tournages de Dals, tout le monde c'est mes potes. Que ça soit les chorégraphes, les stars, les managers, la régie, qui tu veux. Tout le monde c'est la famille. On va tous être ensemble pendant longtemps, donc autant que ça soit ta famille, tout de suite au cas où la prochaine fois que tu fais danser avec les stars, toi qui me regardes. Non, c'est vraiment la famille. Quand il y a la famille, il n'y a pas de couple, c'est chelou. Tu te maries avec quelqu'un de ta famille. Moi, mon talent caché, le rap. Check this out. Dès le départ, des films du rap, je varie. J'ai fait La Cité Rose, maintenant sur une série. Je vais les rafaler comme un tueur en série. Je vais vider les douilles et retourner sur ma série. Nouveau contrat, nouveau polo, chérie. J'emplis le frigo, maman regarde ma série. Reste attentif, je te raconte ma série. C'est tellement des menteurs qu'on se croirait dans une série. Un jour, j'ai brûlé le parking de toute ma cité, sans faire exprès. Avec 2-3 potes à moi, en allant en primaire, à l'école primaire. On a trouvé un briquet, on s'est regardé. On est rentré dans le parking, il y avait un fauteuil. On l'a brûlé, tout ça. On voit, il commence à prendre le feu. On rigole, tout ça, on rigole. Et on voit le feu, il commence à monter, monter. On a commencé à pisser sur le truc, mais nos petits zizi de 3 ans, là, on n'a rien éteint du tout. On a couru direct en primaire, on a fait genre, c'était pas nous. Laisse tomber, tous les petits de ma cité ils font cette danse. Mais même moi ils m'ont branché. Mais ça c'est la danse d'un mec. De ouf, le petit blanc, maigre, comme ça. Eh, il est trop chaud. C'est lui qui a inventé cette danse. Mais tout le monde dit c'est la danse de Fortnite, je comprends pas. Arrêtez de dire que c'est la danse de Fortnite. C'est pas Fortnite. Ils l'ont volé. C'est vrai qu'il a raison, ça fait... En fait c'est chelou. Parce que la meuf, elle aime ta photo, et tu sais pourquoi elle aime ta photo. Parce que, en gros, t'as un nom, t'as un peu de visibilité. Après, parfois, c'est pas forcément pour ça qu'une personne te suit. On n'a pas tous les mêmes pensées. Mais là, je parle avec une meuf en ce moment, mais je la drague pas. C'est amical, je l'aime bien. Ah, comme ici, je suis celui qui fout la merde, qui rigole avec tout le monde. Les profs, ils m'aiment, ils en ont marre de moi, mais ils m'aiment bien. C'est un jour, ils m'ont dit quoi au collège? Le surveillant m'a dit quoi? Il m'a dit, Aziz, j'ai vu plus ta tante que toi au collège. Il m'a eu de ouf. Et s'il va regarder cette interview, je lui fais un gros bisou. J'aime pas trop les filtres sur Insta. Surtout les meufs qui mettent des filtres sur Insta. Parce que la plupart des meufs qui mettent des filtres sur Insta, elles sont moches. Tu parles avec une meuf, elle est là, elle t'envoie filtre. Tu dis, oh, elle est trop belle, tout ça. Yeux bleus, yeux verts. Mais en fait, tout ça, c'est le filtre. Elle a les yeux plus noirs que mon cœur. Sauf que mon cœur, il est rouge. Je suis con. Mes vacances, je reste avec la maman. C'est pas que je suis obligé de rester avec elle, mais je me dois de rester avec elle, vu qu'elle est malade un peu. Depuis que je suis petit, elle a la sclérose en plaques. C'est pas trop facile pour elle, ça veut dire que je suis obligé d'être avec elle et tout. Mais comme il y a mon beau-père là en ce moment, ça va. Je me déplace avec tout ce que je peux. Mes pieds, mon cross, des fois mon scooter, des fois mon Clio.